a connu, ne serait-ce que l'année dernière, un épisode extrêmement grave de peste porcine. Et à chaque fois qu'il y a un problème de santé humaine, de protection des populations sur un risque sanitaire, c'est l'État qui le gère et c'est l'État qui le prend en charge. Bien, Thierry Martel. Thierry Martel, ben les assureurs, vous allez aider tout ça. Vu que vous aviez augmenté. Moi, je pense que c'est un problème. C'est un problème du pays, c'est un problème de long terme. C'est pas votre problème, quoi, si je comprends bien, Thierry Martel. Vous dites que c'est pas notre problème. Je ne dis pas que c'est pas notre problème, je dis que c'est le problème du pays tout entier. Heureusement. Et comme les assureurs sont au cœur du pays, bien entendu, et les assureurs mutualistes, plus encore peut-être que les autres. Ben, je vais vous dire, les assureurs mutualistes font des efforts plus que les autres. Je vous mets à l'honneur, Thierry Martel, vous devrez être content. Pourquoi ? Parce que Covéa, c'est la MAF, c'est MMA, c'est GMF, va verser. J'ai vu des sommes d'argent pour à ses assurés ayant souscrit une assurance perte d'exploitation éligible en cas de d'intoxication. Oui, on en a aussi dans notre portefeuille. On vous les honorera de la même façon que Covéa. Et vous honorerez ces contrats-là, Ah ben Thierry évidemment, Martel. Ce qui est écrit est écrit. Alors, je ne dis pas que quand on a souscrit ces contrats, on s'attendait à ce que l'épidémie arrive. Oui, au fond, c'est un peu sûr. Le même problème que celui qu'on a connu il y a quelques années avec l'amiante. Oui. On avait mis des contrats dans lesquels on ne savait pas que l'amiante était toxique. Et on s'est rendu compte un jour que l'amiante était toxique. Là, c'est la même chose. On n'imaginait pas qu'une pandémie comme ça soit possible, puisque c'est arrivé bien avant qu'on soit nés les uns les autres. On a ces garanties dans les contrats, et les contrats sont les contrats. On est dans un état de droit. Bravo. Mais comment se fait-il que les assureurs privés, enfin les gros assureurs que l'on connaît, AXA, Generali ou autres, ne le fassent pas? Ah bah écoutez, moi je représente les mutualistes, faudra leur demander. Du côté des mutualistes, on n'a qu'une parole et on la respecte. Donc si je comprends bien, il faut changer d'assureur et aller chez les mutualistes. Ah bah c'est un conseil que je ne peux que vous donner. Ah bah ça j'imagine, Thierry Martel. Et dites-moi, mais comment fait Allianz en Allemagne qui indemnise en partie, hein, quand même, en partie, pas totalement. Alors hein, en Allemagne, c'est un problème très spécifique. D'ailleurs, on comparait la France et l'Allemagne, rien n'est comparable entre la France et l'Allemagne sur aucun point de vue. Donc prendre un exemple allemand et le tirer du chapeau pour essayer d'en faire un modèle français. En plus, c'est un modèle bavarois, c'est quand même très particulier. Oui, c'est vrai. En l'occurrence, Allianz ne prend que 15% des pertes d'exploitation, donc c'est un tout petit montant. Ouais, bah, c'est déjà pas mal si les assureurs français prenaient 15%. À l'échelle du pays, ça représenterait, si c'était généralisé sur l'ensemble de l'Allemagne, 500 millions d'euros. Oui. Nous, on a mis 400 millions d'euros dans le fonds de solidarité après impôt, ce qui veut dire l'équivalent de 600 millions d'euros. Ce qu'on a mis dans le fonds de solidarité est déjà très supérieur à ce qu'Allianz mettrait, ou si cet accord était... Allianz seul, oui. Alors après, moi, si vous voulez, j'ai, bien sûr que les cafés, hôtels, restaurants souffrent beaucoup, mais tous les commerces non alimentaires souffrent beaucoup. Et moi, je ne veux pas faire de privilèges pour les uns par rapport aux autres. Moi, je suis aussi un assureur du monde agricole. Aujourd'hui, les producteurs de fleurs, par exemple, sont complètement à l'arrêt. C'est une catastrophe absolue pour eux. Donc, la démarche qui est la nôtre, et les mutualistes là-dedans, hein, d'ailleurs, ont été moteurs, c'est de laisser à l'État le rôle et la responsabilité de répartir équitablement les dons de solidarité entre les différentes catégories socio-professionnelles. C'est pas à nous de choisir l'une plutôt que l'autre. D'où la démarche que nous avons adoptée d'abonder le fonds d'État et de laisser à l'État ensuite la charge de répartir ça équitablement entre les différentes professions.